mes chers compatriotes, évoquer la grandeur de notre nation. Nous sommes assurément élevés. Ainsi, après les artistes, les femmes de notre pays se sont mobilisées pour que les armes se taisent enfin dans la région de Ziguinchor. Chacun a pris conscience que le sang n'a que trop coulé et chacun souhaite la réconciliation. Au demeurant, le dialogue a été tenu. Il s'agit de le poursuivre avec cette persévérance et cette ouverture d'esprit si caractéristique de notre peuple, pour trouver, dans le respect de l'unité nationale et de l'unité territoriale, des réponses aux attentes de chacun et aux aspirations profondes de l'ensemble de la nation. À la veille des négociations qui vont réunir toutes les parties intéressées, je tiens à adresser mes vifs encouragements aux artisans de la paix. Et je forme des vœux fermes pour la réussite de leur rencontre. Je veux aussi leur dire qu'avec nous, tous les peuples de la sous-région sont à leur